toi. Pour moi? Merde, putain, il est quelle heure? Quelqu'un te demande. Bah, dis-lui que je dors. Elle insiste. Elle insiste, elle insiste. J'ai envie. J'étais en plein milieu d'un rêve et toi tu arrives. Hein, tu m'as coupé le fil. On te demande, je te dis. Qui tu dis? Une gonzesse. Une gonzesse? Celle à la porte avec ses cuisses à l'air. Une gonzesse avec les cuisses à l'air me demande à 8h du matin. Oui. Et qu'est-ce qu'elle me veut? Ce que je sais, moi. Dis-lui que je dors. C'est à moi de virer celle qui vient de te relancer à domicile? Je la connais pas. Elle insiste. Elle veut te voir en main propre. Allez. Monsieur Bégérard? Oui. L'acteur? L'acteur, oui. Un pli pour lui? Un pli? Vous pouvez pas le remettre à la dame? En main propre. En main propre. Je sais bien acter. Hein? Donc quoi? Je ne sais plus. Un polar? C'est quoi ce truc? Une convocation. Il faut un esprit de jeu par la poste. Je suis officier de gendarmerie. Putain. Pardon, pardon. Mais t'es dû approuver et signer. J'ai rien lu. Excusez-moi. Hein. Lisez. Pourquoi vous n'êtes pas en tenue? Pardon? C'est tenue pour une gendarme, celle-là? On patrouille en uniforme pour la S, on est comme on est, hein? Ah, vous avez les jetons d'être attaqué par les signes. Signé! Pardon? C'est quoi? Excusez-moi, mais c'est quoi, ça? Assignation à comparaître, une convocation, c'est écrit dessus, vous savez lire? Excusez-moi, mais à 8h du matin, c'est un peu compliqué, hein. Pour affaire vous concernant, signé. Affaire me concernant, ça doit être fiscal. Je ne pense pas. Bon, c'est quoi? Le juge vous le dira. Quel juge? Bah, celui de la 42e. Et c'est quoi la 42e? Affaire criminelle. Celui-là, vous le présenterez au greffe. Celui-là, au juge. Le troisième volet pour vos archives. Et moi, je garde. Hop là. Le reçu paraffé et l'original. Non, mais j'ai envie de comprendre. C'est quoi juste le turbin? Ah, vous en faites pas, je distribue toute la journée. Merci, mais je peux savoir pourquoi? C'est ma fonction qui veut ça. Oh, je veux dire pourquoi je suis convoquée. Vous avez été témoin d'un meurtre. Moi? Ou vous en avez commis, hein? Ah, moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini? Vous pourriez pas vous donner rencard ailleurs? Il est marié, mademoiselle. Marié, divorcé, deux enfants, un à droite, un à gauche. Et puis il est pas du tout comme à l'écran, hein. Il est ramolo, raplapla. Il dort tout le temps et la nuit il boit. Oh, excusez-moi. Madame les gendarmes. Et ta sœur. Bonne journée, c'est ça. Bonsoir, capitaine. Elle mourut, oui. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Me remettre ça. Me remettre ça! Allez. C'est quoi, ça? C'est une convocation, je dois voir un juge. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais non, j'ai rien fait, toi aussi. Moi aussi, mais pourquoi tu dois voir un juge, alors? Je t'avais dit, c'est une convocation. C'est lui qui veut me voir. Pourquoi? Une affaire de meurtre. Meurtre? Meurtre. Ça devait arriver. Ah bon? Pourquoi? À traîner toutes les nuits dans les cafés, c'est le genre d'histoire qui te pendait au nez. Mais je traîne pas, merde, tu vois? Un meurtre maintenant. Ça doit être une erreur, c'est tout. Oh. C'est pas possible.
J'aime encore mieux quand tu faisais de la synchro, tu sais. S'il te plaît, dis-moi, c'est quoi le rapport entre les deux? Au moins, tu ne passais pas tes nuits dans le bistrot avec Dieu sait qui à commettre des meurtres. Tu voudrais pas tout de même que je rentre Dardar me coucher en sortant de scène, hein? Je l'espère, hein? Elle a bon dos, la scène. Mais qui t'a pu tuer encore? Merde, mais j'ai tué personne. Arrête, tu déconnes. Pourquoi le juge veut te voir? C'est bon. Ah, et où tu vas, là? Et tu te rappelles, hein, ce que tu viens de dire? Il est ramollo, raplapla, il dort tout le temps. Ben, je vais me coucher. Elle va.